pire, c'est Ziad. À ce qu'il paraît, elle a des poux. Et je l'ai vu. Et il y a une rumeur qui dit qu'il se gratte la tête en classe. Tellement. Ah, c'est dégueulasse. Bah, faudra pas s'approcher de lui, hein, sinon on sera contaminé. Bon, bah, je vais aller prévenir les autres et vite, hein. Toi là, clochard! Apparemment, t'es pauvre! T'as récupéré tes habits à la poubelle! C'est même plus du libidon, c'est du libidon! D'ailleurs, faudrait que tu brosses les cheveux! Ah oui, t'as pas de brosse! Et tu sais, ta mère, elle a demandé de l'argent à la mienne tellement t'es pauvre! C'est ce que tu devais nous ramener aujourd'hui. Non, de quoi? Tu devais nous ramener 50 euros. Tu t'en souviens pas? Non, mais je vous ai déjà ramené de l'argent la semaine dernière. Et alors? Nous, on en veut plus. T'as intérêt à nous les ramener demain, sinon le prix va beaucoup augmenter. Arrête de flipper, tu te souviens? Non, on était copines. Tu sais, Kawasim, il t'a dit des trucs trop méchants sur toi, ça se fait pas ce qu'il t'a dit. Ah oui, et qu'est-ce qu'il a dit? Insulter ta mère, ton père. Toute ta famille, tes amis, tout, vraiment, ça se fait pas ce qu'il t'a dit. Non, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Attends, écoute ce qu'on a à dire, ensuite tu pourras partir. Ben en fait, l'idée, c'est que tu dois prendre une photo de Wassim dans une position gênante. Peu importe la position, une position gênante. Et tu la postes sur le réseau. J'ai pas envie. De toute manière, tu n'as pas le choix. Parce que sinon, si tu ne le fais pas, c'est nous qui allons te le faire. Regardez, la... À ceux qui harcèlent. Vous trouvez ça marrant d'harceler des personnes qui ne vous ont rien demandé, d'insulter, se moquer? Ça ne vous est jamais venu à l'esprit de se mettre à leur place? C'est trop compliqué ça, bien sûr. Vous pouvez détruire la vie de jeunes. Il y a des personnes qui se suicident à cause de ça. Donc arrêtez, ne vous mettez pas ça sur la conscience d'avoir fait un suicide. Ils sont si terrorisés qu'ils ne disent rien à personne. Vous leur créez des complexes qu'ils vont essayer de corriger et ça ne sera pas assez bien pour vous. Je me demande comment vous réagiriez si on vous faisait la même chose. Vous ne vous posez sûrement pas cette question. Vous, ce que vous vous dites, c'est que c'est marrant. Ça vous rend populaire. Ce ne sont que des blagues, bien sûr. Ça vous rend heureux, c'est ça? Trop gros, trop grand, trop maigre, trop petit. C'est ce qu'on entend souvent. On est tous différents et personne ne peut y changer. Si vous faites harceler, parlez-en directement. Ne vous laissez pas faire. Que si vous en parlez, ça sera pire, c'est complètement faux. Donc il n'y a aucune raison de ne pas en parler. Faites confiance aux grandes personnes, ils sauront régler vos problèmes.